aux orgies, car c'est de votre vie. Mais au terme d'un voyage initiatique, il s'amendera et conduira son royaume à la prospérité. Ainsi, quand il se levera, Gilgamesh raconte ses rêves et les traits sur moi. Je vous le porte et que tu as pu me voir. J'en ai fait ton compagnon. Comme sur les par son caractère brutal, dont il donne chaque jour la preuve. Elle façonna un homme et lui donne le nom d'Enkidu. Enkidu est un être qui vit en parfaite harmonie avec la nature et les hommes. Un jour, son cœur et sa force s'obscurcirent. Il rentra chez lui avec son troupeau. Il alla au palais. Prostituée. Au chasseur. Une prostituée du nom de Shamat. Emmène-la avec toi. Dès qu'il la verra, il s'approcha d'elle pour la posséder. Et son troupeau qui a grandi avec lui dans le désert ne le connaîtra plus. Le Kayan arriva avec le bétail. Et il s'abreuva. Elle le vit, le Kayan, l'habitant de la plaine. Elle ne se dérobe pas de lui. Elle provoque en lui le désir. Oh Shamat, le voici. Ôte tes vêtements, dévoile ta nudité, dévoile ton corps, n'aie pas peur. La prostituée s'approche d'Enkidu. Elle ôte ses vêtements. Elle dévoile ses seins. Il se réjouit des charmes de son corps. Pendant plus d'une semaine, elle le possède. Et elle l'attire dans une contrée qui lui est étrangère. Lorsqu'ils sont et ils se mettent en Ils marchèrent. À l'entrée de la ville, ils croisèrent un jeune homme. Enkidu, curieux, les mains mises sur la tête. Au discours du jeune homme, il emprunte un chemin long et difficile.